Salut tout le monde, c'est Gotix et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve sur du The Hunter classique. Et dans cette vidéo on va aller chasser le petit gibier, donc principalement le faisan, car on est sur Hirschfelden. Et sur Hirschfelden, le seul petit gibier qu'il y a, c'est le faisan et la bernache du Canada. Mais aujourd'hui ce sera principalement le faisan et on s'arrêtera peut-être vite fait à l'affût pour chasser la berche, mais voilà, je pense pas, ça sera peut-être en fin de vidéo, voilà, je sais pas. Donc j'ai décidé de vous faire cette vidéo car depuis un petit moment vous avez l'habitude entre guillemets de voir de la chasse du gros gibier sur Call of the Wild, et moi j'ai décidé de changer un peu et de vous proposer un petit peu du petit gibier. Comme ça, ça fait une chasse mix petit gros gibier. Comme ça, tout le monde est content. Donc, on va partir comme ça. On va partir voilà, comme ça. Ici, on traversera par le pont. On fera là. On reviendra par ici. Et on... Tain, pardon, là, je sais pas ce que j'ai, là. J'avais envie de roter, mais non. Et ensuite, on ira en direction... on ira en direction de l'affût pour la bernache. Et si on a le temps, on fera une petite chasse vite fait à la bernache. Donc je me suis équipé comme d'habitude pour le petit gibier du Blazer F3. Et normalement ici, non pas ici, c'est ici. Je me suis équipé de la peau à faisan pour essayer de les attirer. Alors je sais que par ici dans ces... dans les maïs comme ça, on trouve du faisan, mais c'est pas spécialement là où on en trouve le plus. Enfin, pour ma part. Moi, je trouve qu'on en trouve plus dans les champs de foin que dans les champs de maïs. Mais voilà, quand on en trouve quand même un petit peu dans ces champs. Et pour ça qu'on va faire un petit tour dans ces champs. Donc, on va essayer d'en attirer un petit peu. Voilà. Alors... pour l'instant, toujours pas de visu sur un faisan, ni sonore, ni en un vrai visuel, quoi. Ouais, ça devrait pas tarder, je pense. Donc, dans cette vidéo, j'ai une petite chose à vous dire. J'ai eu des retours sur ma toute première... Enfin, non, j'avais déjà fait des vidéos bien avant que la chaîne soit spécialisée dans The Hunter. J'ai fait une vidéo... avec la webcam, et il y en a qui m'ont dit voilà, c'est bien avec la webcam. Il y en a d'autres qui m'ont dit on préfère sans la webcam. Et il y a des personnes, notamment deux personnes, alors je me souviens plus, je sais qu'il y a Alex Land Chasse et une autre personne, je me souviens plus qui c'est. Alors excuse-moi, mais je vais répondre à tes questions dans cette vidéo. Je t'avais dit que j'allais répondre à ta question dans une vidéo, et donc voilà, c'est dans celle-ci. Ta question c'était, tu m'as demandé pourquoi je ne l'ai pas mise en haut à gauche. Alors je ne l'ai pas mise en haut à gauche parce que j'ai voulu essayer tout simplement de la mettre en bas à droite. Mais c'est vrai que c'est pas le top, ça serait peut-être mieux comme tu m'as dit en haut à gauche. Et pour la prochaine vidéo, comme ça je mettrai... la webcam sur la gauche pour faire un test, et tu me diras si tu préfères ou pas. Et je vais aussi répondre à la question d'Alex Land Chasse. Donc Alex Land, tu m'as demandé pourquoi je n'ai pas pris ton overlay. Alors je vais t'expliquer tout simplement. Ah oui, merde, c'est vrai, j'ai pris la 308 aussi. C'est que quand moi je fais mes vidéos tout seul sans Romain, quand je fais mes vidéos solo, j'utilise le logiciel Shadowplay. Et en fait, Shadowplay, on peut mettre la webcam, etc. Sauf qu'on ne peut, on peut choisir l'emplacement que dans les coins. Donc, soit en haut à gauche, soit en haut à droite, soit en bas à droite, soit en bas à gauche. Tout simplement. Et Shadowplay nous propose trois tailles de webcam. Donc, c'est petit. Alors là, c'est vraiment petit, on voit rien. Moyen, comme moi, je vous ai proposé. Et sinon, t'as gros. Et gros, en fait, c'est vraiment trop gros. Donc,
J'ai mis en moyen. Donc vous trouvez que c'est un peu petit. Je suis d'accord. Moi aussi, je trouve que ça reste. Ouais, c'est léger. C'est vrai. Mais voilà, j'ai pas le choix entre ces trois tailles. Petit, bah c'est trop petit. Moyen, c'est un peu trop petit. Mais grand, c'est trop grand. Alors pour cela, je suis en train de réfléchir, essayer de voir. Mais je vais peut-être passer sur un autre logiciel quand je ferai des vidéos avec le webcam. Donc soit OBS, soit XSplit, je sais pas. Comme ça, en fait, je pourrais entre guillemets filmer le tout en faisant plusieurs pistes. Et comme ça, après, dans le logiciel de montage, je pourrais mettre voilà la webcam comme je veux, et je pourrais utiliser ton overlay que tu nous as fait avec Romain. Comme ça, je pourrais mettre la webcam dans l'overlay que tu nous as spécialement préparé pour nous. Et voilà, pour ça, c'était vraiment juste pour te dire ça, que vu comme je ne peux pas la mettre où je veux à part dans les coins et à différentes tailles, pour ça que je n'ai pas utilisé ton overlay spécialement pour la webcam. Et j'ai pas pu mettre plus grand. Donc comme ça, la prochaine fois, ce que je ferai, c'est que j'utiliserai un autre logiciel de montage. Donc soit attendez, je crois qu'il y a du sanglier là-bas. Ah non, il y a du faisan, il y en a deux. Ouais, il y a deux faisans. Ah, même trois. Quatre. Ah, ça c'est bien. Donc on va y aller. On va s'équiper du blazer. Et oui, donc j'étais en train de vous dire que pour la prochaine fois, quand ça sera, quand je vous ferai des vidéos avec la webcam, j'utiliserai un autre logiciel. Comme ça, comme je vous ai dit, je pourrais vraiment gérer un peu plus au niveau du montage. Donc le gameplay, le commentary et la webcam. Comme ça, il n'y aura aucun souci. Comme ça, je pourrais utiliser, voilà, comme je t'ai dit, ton overlay. Et la mettre où vous voulez, sinon la webcam, si vous préférez en haut à gauche, au milieu, j'en sais rien, plein milieu de l'écran, c'est vous qui me direz dans la prochaine vidéo avec la webcam. Donc bon, pour l'instant, la chasse n'est pas folie. Alors, excusez-moi, j'ai eu un petit souci de micro. Donc, comme j'étais en train de vous dire, voilà, pour l'instant la chasse n'est pas folichonne, mais bon, là-bas en face, s'ils sont encore là, parce que je les ai pas vus décoller. Après, où ils sont exactement, je me souviens pas. Ah, je devrais bien les voir. Ah, le mal du décolle. Un peu loin par contre. Je pense que j'allais plus le blesser qu'autre chose. Donc on va essayer de les rappeler. Ouais, la chasse n'est pas folichonne. Ah, dès qu'on va les trouver. Ok, mal. Alors, ils seraient pas loin. Alors, j'ai aucun visuel. Alors là, il y a eu un mâle déjà qui a décollé. Ok, si loin que ça, non merci. Alors là, ouais, il y avait deux femelles, voire trois, un mâle. Je sais pas, alors on va passer de l'autre côté, ça se trouve ils sont passés de l'autre côté du champ. Ah oui, regardez. Il y a un coq là-bas. Oh la faisane. Oh. Vite. Oh merde, il a décollé. Putain, je suis vraiment mauvais. Alors en même temps, ça fait un moment que j'ai pas joué à The Hunter classique. Et là, je vous avouerai que c'est vrai que mon tir était plutôt dégueulasse. Ouais, tout simplement, il était juste dégueulasse. Ah, les gars, regardez le petit faisan.
un petit coq sur la route. De loin, ouais, si, si, c'est bien un coq. Donc on va s'approcher et on va essayer de le... Ah, oh, putain, il s'envole le bâtard. Oh, ah, là-bas, regardez ce qu'il y a. Du petit sanglier qu'on aurait pu presque le tirer, mais non. Dans cette vidéo, ça ne nous intéresse pas, c'est vraiment le petit gibier. Alors là, franchement, ça... La partie est juste dégueulasse. Parce qu'il y a tout simplement pas eu encore de tir de faisan. Donc on se retrouve tout de suite pour peut-être, je l'espère, un petit tir au faisan. Putain, regardez, regardez, la faisane! Putain, il dit, faut vite que... Putain, je l'ai vu décoller, j'aurais pu la tirer avant. Allez, décolle, décolle, décolle. En plus, il y a un autre mâle. La faisane, elle a pas décollé. Bon, j'ai tiré à terre. Je pensais qu'il allait redécoller. C'est pas le top. Là, je vous avouerai que c'est pas mon meilleur tir. Mais au moins, on n'est pas bredouille. Alors, en plus, c'est un joli petit coq. 1,8 kg. Ouais, voilà. C'est pas vilain. Donc, on va aller dans cette direction. Là-bas, on va rejoindre le pré. Et en espérant revoir un petit peu plus de faisans que tout à l'heure. Ah les gars, c'est bon. On a du visuel. Là-bas, il y a encore un petit coq. Donc on va y aller tranquillement. On va lui marcher dessus. On va le faire décoller. Et on va essayer de le tirer sans le louper. Alors on va peut-être essayer de se mettre un petit peu sur le côté. Parce qu'ils ont tendance toujours à décoller en face de moi et toujours en face. J'ai toujours du mal à les tirer. Ah mais c'est qu'il est loin, il marche. En même temps que nous, je crois. Ou alors c'en est peut-être un autre. Hop. Alors on va bien le laisser tranquille. On va se mettre comme ça, légèrement sur le côté. Et en espérant qu'il décolle correctement et qu'on puisse le tirer sans problème. Ah bah il décolle trop loin, on va tenter. Ah trop bas les deux coups, bon. C'était à prévoir. Hein. Putain, il a décollé à trop tôt le connard. Je pensais pas qu'il allait décoller tout de suite. Bon bah c'est comme ça. Bon pour l'instant la chasse est vraiment pas folle folle. J'ai connu beaucoup mieux je pense. Je pense que je vous ai proposé des vidéos au faisan avec beaucoup beaucoup plus de gibier que ça. Là c'est vrai que c'est la dèche. Alors c'est quoi ce truc rouge là-bas là? C'est un faisan ça. Non. Je pense pas. Non, c'est des fleurs. Ouais, c'est ça. Ah, c'était rouge de loin. Maintenant, c'est devenu jaune. Ouais, bizarre. Bon, est-ce que dans ce prix, on va voir du faisan. Alors là-bas, je sais pas. Ah, il y a un coq là-bas au fond. Je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout. Bon, c'est déjà pas mal. Il est où le coq? Il est juste en face. Ok. Donc, on va aller voir le coq. Et cette fois-ci, on va essayer de le tirer, quoi. Alors, les gars, c'est bon. On s'approche. Je me suis accroupi pour essayer de m'approcher le plus près possible sans qu'il s'envole. Parce que je trouve que là, c'est bizarre qu'il s'envole quand même. Quand on est loin, alors que d'habitude, fallait leur marcher dessus pour qu'il décolle. Donc pour ça, j'ai préféré m'accroupir.
On se lèvera quand on sera assez près et on essaiera de le faire décoller. Vas-y, non, 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 non. Arrête de marcher. Cale-toi vers le buisson si tu veux. Et tu décolleras quand je te le dirai. Alors, il est dans le buisson. Allez, il décolle. Bah. Ouais, j'aurais mieux dû garder une cartouche. Putain, le salaud. Putain, on se fait vraiment baiser la gueule aujourd'hui. C'est un truc de fou. Bon, on va aller voir de l'autre côté s'il n'y en a pas cette fois-ci. Alors là, j'aimerais vraiment en voir. Parce que là, je me fais bien, 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 bien enculé à sec. Par quand même des... Ah, là-bas, il y a un coq. Déjà. Alors celui-là, on va vraiment pas le louper. Faudra vraiment pas le louper. Parce que sinon, la vidéo servira presque à rien. On pourrait dire comme ça, quoi, entre guillemets. Ce serait vraiment juste une vidéo pour publier une vidéo, quoi, tout simplement. Donc, allez, on s'approche cette fois-ci. On va y aller en marchant. On va faire gaffe qu'il décolle pas. Alors là, celui-là, il a pas envie de décoller. Hop, on va bien lui marcher dessus. Allez, 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 décolle. Ah bah quand même. Et hein, au bout de 10 cartouches tirées, on en a eu un quand même. Donc on va aller ramasser ça. Et on va essayer d'en trouver d'autres quand même. Parce que là ça fait un peu léger pour une vidéo de, je sais pas, environ 20 minutes. Alors, va-t-il être gros, petit? Moi je dirais 2,2 kg. Ah, 2,1 kg. J'étais pas loin. Ça va. Allez, donc c'est parti, on va essayer de trouver un autre faisan ou une petite faisane, je ne sais pas. Ce qu'on trouvera, quoi, tout simplement. Ah les gars, regardez ce qu'on a. Donc là, c'est pas du faisan, mais c'est des berches du Canada. Donc je crois qu'il y en a 3 ou 4. Donc on va s'avancer tout doucement. Même je pense qu'on ira même s'allonger et on va essayer de les tirer. C'est petite berge, donc on va essayer de s'en faire au moins une. Ce serait déjà pas mal. Sur les trois, je crois qu'il y en a trois. Enfin, pour l'instant, je n'ai vu que trois. Donc, on va quand même prendre le fusil au cas où si elle décolle. Cela faudrait pas se faire avoir. Et si on arrive à en tuer, bah, ce serait pas mal. On va dire que ça équivaudrait à, on va dire, à deux, trois faisans. C'est pas mal, ça fera une jolie chasse. Non, je déconne. Non, mais voilà, donc on va essayer de se les faire, pas les faire décoller. Donc on va se mettre un petit peu en contrebas pour pas qu'elles aient de visuel sur moi déjà. Visuel, bah, visu, quoi, visuel. Et faudrait pas qu'elles me sentent. Elles sont toutes proches, elles étaient vers la botte de foin, donc là on commence vraiment à s'approcher. On peut prendre même la jumelle et regarder à combien de mètres sera la botte. 65 mètres, voilà, ça va. Ce serait une portée, je pense qu'on arriverait à les avoir à cette portée là. Alors, allons-y calmement. Il ne faut pas se presser, regardez, on voit déjà une. Alors il y en a trois. Je dirais, on va essayer. Ah, même quatre. On va essayer de se faire un petit doublé. Alors elles sont en train de dormir, paisiblement. Alors on peut entendre les bruits des oies.
Allez. Oh! Vite, recharge, recharge! Vite, vite! Ah, ça va! On en a eu deux, les gars. Mais attendez, mais il y en avait plus que. Il y en avait plus que 4! Il y en a eu un paquet qui ont décollé. Par contre, j'ai quand même été manche, hein. Je vous avouerai que sur les tirs, faut vraiment que je me remette un petit peu à jouer à The Hunter Classic parce que je suis quand même mauvais. Là. Alors, on va ramasser la dernière roi. Ok. Coup tête 40 mètres. Oh, un score de 7000 là. C'est plutôt pas mal. Donc voilà, donc on va dire que la vidéo. On va arrêter la vidéo ici. Parce que voilà, j'ai tué deux faisans et deux berches. Deux bernaches. Deux oies, quoi, tout simplement. C'est vrai que ça n'a pas été une chasse très très folichonne. Comme je vous ai dit. D'habitude, enfin j'ai connu mieux, je pense que vous aussi vous avez dû connaître mieux, mais bon c'est comme ça, c'est le jeu, c'est la chasse. Donc ouais, vraiment je suis quand même content, j'ai quand même tué deux oies, ça va, je suis content. Donc voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, n'hésite pas à t'abonner. Si ce n'est pas fait, n'hésite pas à activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications, comme ça tu sauras au courant que je vais sortir une vidéo ou quand on sera en live avec Romain. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à t'abonner. N'hésite pas à partager la vidéo aussi. Franchement, ça c'est vraiment super bien. Et donc moi, je te dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.